session d'information, madame, messieurs, bienvenue au journal. Vulgarisation du statut particulier des enseignants, puis la levée de la grève par les syndicats, les détails à suivre dans cette édition. Madame, messieurs, une fois encore, bienvenue au journal si vous venez de nous rejoindre. Ouvrons ce journal par la levée de la grève par les syndicats pour dire que les syndicats des enseignants bénévoles, prestataires et volontaires réunis en assemblée générale le samedi dernier ont décidé de la levée de la grève et la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement a demandé aux enseignants de renouer avec les cours. Voici les notes de Loïc Kwamba. Regardez. L'Assemblée générale des enseignants a permis de constater la résolution de certains points contenus dans leur cahier des charges, notamment le paiement de 3 mois d'arriérés de bourse, la prise en compte dans le quota de 2022 des enseignants ayant 45 ans, mais aussi du tout premier certificat de prise de service par les finances. Et pour les syndicats, il faut sauver l'année scolaire. Dans le souci de sauver l'année scolaire 2021-2022, le Bureau exécutif national de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement, CEDEP en cycle, demande à tous les enseignants volontaires, prestataires et bénévoles de poursuivre leurs activités pédagogiques dès ce lundi 4 avril 2022 à 7 heures précises sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Brazzaville, le samedi 2 avril 2022, l'Assemblée générale. Alors que les enseignants vont renouer avec le chemin de l'école, les syndicats demandent néanmoins au gouvernement d'apporter les solutions à leurs revendications, telle la publication de la quasi-totalité des textes d'intégration dans un bref délai. Tout à fait autre chose dans cette édition, vulgarisation du statut particulier des enseignants. Le ministère en charge de l'enseignement général et celui de l'enseignement technique, ainsi que les syndicats de ces sous-secteurs, poursuivent la vulgarisation du statut particulier des enseignants. L'équipe de Brazzaville était le lundi dernier au lycée de la Révolution pour sensibiliser le personnel au contenu de ce texte qui vise à améliorer les conditions de l'enseignant. Regardez. Les conditions de travail, les conditions de recrutement, les diplômes d'accès à l'enseignement, ce sont entre autres points abordés lors de cette rencontre qui vise la vulgarisation du décret de 2018 sur le statut particulier des enseignants, comme l'explique le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires. Nous nous sommes retrouvés pour que finalement les enseignants soient informés que depuis 2018, un décret a été pris par le gouvernement. Mais il reste évidemment à ce qu'il y ait un texte d'application, en d'autres termes un arrêté qui doit déterminer les montants. Étant entendu que nous avons dans ce décret différentes primes alloué à l'ensemble des cadres de l'éducation nationale. Et tenant compte du fait que le gouvernement a accepté d'aller ensemble avec nous, et donc le gouvernement doit dorénavant prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que ce décret soit appliqué. Les syndicalistes se disent satisfaits, pourtant ils attendent l'application de ce texte. Ce que nous pourrons demander au gouvernement, c'est l'applicabilité de la partie financière ou l'arrêté interministériel. Oui, le document, nous avons apprécié ce document, mais ce que nous demandons au gouvernement, que ce statut particulier rentre dans la partie financière telle que nous sommes entendus avec ce gouvernement. Après la vulgarisation qui a fait couler beaucoup d'encre, le regard reste aujourd'hui rivé sur le gouvernement pour l'amélioration des conditions des enseignants. Enseignement technique à présent, le CEFA, Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, est devenu un vrai espace de formation. Il forme à cet effet des jeunes dans divers métiers, notamment la menuiserie charpente, l'installation sanitaire et la maçonnerie. Selon la directrice du dit centre, les filles sont parmi les meilleurs apprenants. C'est un constat de Loïc Kwamba rendu par Love Pana. Suivez. Le CEFA, Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage, propose plusieurs métiers parmi lesquels des métiers de bâtiment en froid et en climatisation, d'installation sanitaire, de finition. Une panoplie de formations en alternance, tant en première année qu'en deuxième année, comme l'explique la directrice du centre. Ici, au sein de notre établissement, nous avons
cette filière qui sent, et nous avons le gros œuvre, donc communément appelé la maçonnerie. Nous avons les finitions, la finition du bâtiment, tout ce qui est finition bâtiment, c'est-à-dire ils font le carrelage, les pavés, les enduits, les staffs, la peinture, les papiers peints, donc tout ce qui est finition bâtiment. Et ensuite, nous avons la menuiserie charpente, nous avons la construction métallique, donc communément appelée la soudure, nous avons l'installation sanitaire, ce qu'on appelait avant la plomberie, mais ici c'est l'installation sanitaire parce que la plomberie se résumait au plan seulement. Aujourd'hui, ce n'est plus le plan seulement. Et donc, nous avons la plomberie, nous avons l'installation électrique domotique. La domotique, dans l'électricité bâtiment, la domotique, c'est tout ce qui est automatisme. Voilà. Et donc, enfin, nous avons le froid climatisation. Dans ce centre, les filles s'ouvrent également aux métiers traditionnellement réservés aux hommes. À ce jour, lorsqu'on regarde le nombre que j'ai, au départ, la première année, par exemple, la première année, lorsqu'on a lancé le CEFA, on avait une promotion de 25% de filles. Et il y avait une filière, particulièrement l'installation sanitaire, où il y avait plus de filles que de garçons. Mais avec le temps, les filières ont changé. Aujourd'hui, je me retrouve avec beaucoup de filles en installation sanitaire, c'est vrai, mais plus de filles en froid climatisation et en finition. Et en plus, on la soudure aussi. Donc, on voit un peu, pas un peu, mais on commence de plus en plus à avoir cette envie, ce désir des filles d'apprendre les métiers d'hommes. Elles n'ont plus peur et dans les résultats, ce sont parmi les meilleurs élèves de l'établissement. Le CEFA compte 33 agents, dont 14 formateurs. Si le centre dispose du matériel pour l'apprentissage, c'est plutôt du côté des enseignants qu'ils éprouvent quelques difficultés. Donc, le plus gros souci pour nous, c'est que nous ayons toujours de la matière d'œuvre. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, nous avons pour la plupart des formateurs que nous avons, ce sont des prestataires. Des prestataires qui ne sont pas intégrés à la fonction publique. Et des prestataires, au regard des métiers que nous avons, il y a une certaine spécificité. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'université et l'enseignement supérieur, les filières de l'ENSET n'existent plus. On ne forme plus les enseignants de l'enseignement technique. Et aujourd'hui, l'ENSP forme des techniciens, mais ce n'est pas dans les filières, pas toujours dans les filières que nous avons. L'électricité, il n'y a pas de problème. Gros œuvre, il y a le génie civil, il n'y a pas de souci. Mais il y a des filières telles que la plomberie qui ont besoin des formateurs. Mais malheureusement, nous avons ce souci de formateurs au niveau de ces filières-là. La finition, au niveau du génie civil, s'arrête sur ce qui est génie civil. Mais ils ne vont pas dans les finitions. Et donc, ça fait de sorte que les formateurs que nous avons, quand ils viennent, il faut les former à nouveau. Il faut qu'ils soient formés par soit des experts ou bien des artisans. Et donc, les deux difficultés majeures, c'est le fait que nous avons un problème d'enseignants. Depuis sa création en 2016, le CEFA a déjà formé 475 apprenants et entend poursuivre l'accompagnement de ces apprenants. Voilà qui met fin à cette édition. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivie. Coordination Fred Bokoko et Jean Bataladio, derrière les caméras Louis Kwamba et Kesney Ngimbi. Au revoir.